Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo, je dirais, informative. Je vous explique tout. J'ai remarqué que beaucoup de chaînes YouTube avaient leur page Facebook, on va dire, comme j'ai la mienne, qui porte d'ailleurs le même nom que ma chaîne YouTube, Art Thérapie Coloriage by Marie, où je partage au fur et à mesure que je les fais mes coloriages en donnant le détail, ce que je ne fais pas sur ma chaîne YouTube, du matériel utilisé. Voilà, donc on va dire que c'est un complément de ma chaîne YouTube. Mais beaucoup de YouTubeuses ont aussi des groupes de colo Facebook où elles, mais aussi tout le monde, peut partager ses colos. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas, en plus de ma page Facebook, faire un groupe colo ouvert à tous. Ça serait sympatoche, quoi. Sauf que, effectivement, il y en a à bloc. Il y a énormément de groupes comme ça. Moi-même, personnellement, je suis sur plus de 20 groupes où je partage mes colos. Je me suis dit, franchement, un de plus, ouais, ça te fait plaisir à toi, mais c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, il n'y a pas vraiment d'utilité, je trouve qu'il y en a déjà trop. Donc, j'ai gardé quand même cette envie, mais je me suis dit, ben, je vais plutôt dédier le groupe à une illustratrice. On trouve des groupes dédiés à Mariola Budek, Annaline, Kerbi Rosan, vous voyez, vraiment à un illustrateur ou une illustratrice précis. Donc, bah, du coup, je me suis dit, en rapport avec ton histoire dans le coloriage, quelle illustratrice te touche ? Et bah, j'ai choisi une illustratrice qui déjà n'avait pas de groupe Facebook qui lui était dédié. Et c'est l'illustratrice, en fait, que j'ai coloriée en premier. Mon tout premier essai de coloriage au crayon avait dégradé vraiment quand je me suis dit « Allez, je me lance ». Eh bien, c'était sur une illustration de Molly Harrison. Effectivement, alors il y en a, ça va être Jade Summer, souvent Annaline. Moi, ce fut Molly Harrison qui a attiré en premier mon attention. Et, attention, ben, le premier coloriage que j'ai fait de ma vie de colorieuse amatrice, on va dire, ben, c'est celui-ci. Alors, comme vous le voyez, Molly Harrison nous propose un monde fantastique, féerique, avec des fées, mais aussi des elfes, des sorcières, des sirènes, des femmes vampires. Tout ça avec des traits très fins. Voilà, les personnages sont souvent dessiné tout en longueur. Voilà, c'est un art vraiment, oui, tout en finesse, très, très féminin presque, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que j'ai vite craqué pour cette illustratrice. Donc, j'ai apprécié dès le début et j'ai continué par la suite à me procurer ses livres et à continuer à la mettre en couleur pour mon plus grand plaisir. C'est une artiste qui propose donc des livres en grayscale et d'autres en line art. Donc tout le monde peut trouver son bonheur. J'en profite, voilà, pour vous montrer un petit peu quelques colos. Et voilà, vous réalisez que j'ai quand même pas mal de livres. J'en ai bien une petite douzaine. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça vous permet de découvrir un petit peu l'art de Molly Harrison. Donc effectivement, oui, elle a des traits très fins. Des personnages tout étirés, tout en longueur. Il faut aimer.
Moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Ça a été donc bizarrement peut-être mon premier coup de cœur et qui a continué, puisque régulièrement, vous pouvez constater qu'il y a des présentations hein, de livres sur ma chaîne de Molly Harrison. Vous pouvez, je crois, pratiquement tous là, les retrouver en présentation complète sur ma chaîne. Et donc, régulièrement, vous pouvez voir passer des mises en couleur de cet artiste. Donc, Grayscale et Line Art. Il y en a pour tous les goûts, toutes les saisons aussi. Voilà, même des femmes fantômes. Vraiment tout un monde fantastique, féerique. Tout en finesse. Un des derniers, voilà, que j'ai fait. Une petite elfe. Ce sont souvent donc des livres où il n'y a que le recto où il y a l'illustration. Donc vous pouvez utiliser tous les matériels que vous souhaitez. Le papier est moyen, il n'est pas dégueu dégueu, mais c'est pas non plus le top, hein, style papier Amazon. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc elle a deux styles. Elle a ce style comme ça de personnage tout en finesse, mais aussi à l'opposé. Vous pouvez retrouver un monde, voilà, Whimsical Wonder, où là on a des tout petits personnages tout ronds, c'est tout à fait l'inverse, tout mignon. Donc après, ben voilà, vous pouvez trouver votre bonheur aussi dans ces personnages-là, ces sortes de petites poupées. Où là aussi, elle propose des fées, des sorcières. On a les versions sirènes. Voilà, tout, elle reprend tous ces petits personnages en version whimsical, la petite poupée toute ronde, toute mignonnette, voilà. Vous avez aussi du grayscale et du line art dans ces versions de petits personnages. Et encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les saisons. L'été, Halloween, l'automne, l'hiver. Voilà, toutes sortes de petits personnages avec même des animaux. Voilà, là quand je parlais d'animal, ben, là c'est un simple animal unique sur la photo, mais qui est trop mignon. Voilà, elle a vraiment un univers varié, sympa. Donc du coup, vu que c'est ma première illustratrice coup de cœur et que je continue à l'apprécier, à la mettre en couleur, eh bien j'ai décidé de lui dédier un groupe Facebook où l'on pourra partager donc nos petites œuvres, nos mises en couleur de cette illustratrice. Vous voyez, on manque pas de choix quand même dans son univers côté livre et personnage. Donc, le nom de ce groupe est tout simplement Le Monde Féerique de Molly Harrison. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur Facebook, ça fait peu de temps qu'il est créé. Voilà, je vous accepterai avec plaisir et on pourra même partager que vous soyez fan ou que vous découvriez cette illustratrice, eh bien, nos coloriages sur ces illustrations. Voilà, donc, je rappelle mon nouveau groupe dédié à Molly Harrison et le monde féerique de Molly Harrison sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, bien écoutez, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colo!